Coucou la famille, bienvenue chez Mimi International Kitchen. Aujourd'hui, nous allons faire encore une marinade pour poisson, cette fois maquereau. Ok, la famille, bien vouloir vous abonner, liker les vidéos. Allez, on va y aller. Pour cette recette, on aura besoin de la moutarde en poudre. Voilà. Du gingembre. Du pépé. Du persil, de l'ail, du poivre blanc, du jansan ou apki, du grandel, de l'oignon, du poivron, du poireau. Et bien évidemment, notre poisson maquereau déjà nettoyé, salé et aussi j'ai rajouté le jus de citron. Puis j'ai laissé reposer quelques minutes. Ok, allons à la préparation. Donc, dans mon blender, je vais rajouter de l'oignon, du poivron, du poireau, de l'ail, du gingembre, du jansan ou apki, du persil et enfin du rondelle. Je vais rajouter de l'huile et on va passer au blender. Mes condiments sont bien écrasés. Je vais retirer le tout dans un bol. À présent, on va rajouter le reste des épices, donc le poivre blanc, de la moutarde, du pépé, de cubes et on va faire le mélange. Une fois bien mélangé, je vais rajouter de l'huile. Mon huile m'a lâché. Cette quantité ne sera pas suffisante. Donc, je vais rajouter encore de l'huile d'olive. Voilà. Et on va faire le mélange. Notre marinade est prête. Maintenant, on va aller assaisonner notre poisson. Voilà, je vais me débarrasser de ces citrons et je vais introduire ma marinade. Voilà, je vais mettre une quantité comme ça va suffire. Je vais réserver le reste. On va bien macérer le poisson, les entailles à l'intérieur et on va mettre au réfrigérateur pour 1 à 2 heures. Voilà, notre poisson après 2 heures. Maintenant, on va mettre sur un plateau à four. Je vais prendre le reste de la marinade que nous avons dans la cuvette. Je vais badigeonner le poisson. Ensuite, je vais rajouter de l'huile pour que ce soit bien saignant. Oui, et je vais mettre au four, attention, mettre sur griller et à 187 degrés. Je précise, griller, mettre sur griller et non sur cuire. Passons au four. À tout de suite. Pour le reste de la marinade, je vais mettre dans une marmite et je vais faire cuire. Allons-y. Et voilà, notre sauce est prête. On va réserver. Ça sent très bon. Ok. Pour les bananes plantées aplaties, il y a 3 méthodes. Je vais vous montrer une pour le moment. Donc, je vais saler mes bananes plantain et puis je vais laisser reposer. Après 15 minutes, voilà mon poisson sorti du four. Donc, je vais les arroser. Je vais retourner, arroser de nouveau. Ensuite, je vais mettre de la marinade encore et je vais aller au four. Voilà, donc on va laisser cuire encore pour 15 minutes, donc pour un total de 30 minutes. Ça dépend de la grosseur du poisson. Toujours sur 187 degrés, bien sûr. Entre temps, j'avais mis mes poissons à griller dans la friteuse à air. Voilà, je vais retirer et je vais les aplatir à l'aide d'une tasse. À présent, je vais remettre dans ma friteuse à air et je vais les faire griller de nouveau.
Et voilà, après 15 minutes, mon poisson sorti du four, bien saignant. Vous allez adorer cette recette, la famille. Je vais encore essayer de mouiller un tout petit peu mon poisson. Voilà, si vous avez aimé cette recette, surtout n'oubliez pas de liker, partager, aussi vous abonner pour m'encourager. Oh là là, regardez comment c'est saignant. Oh, c'est moelleux, délicieux et tout à la fois. J'adore. Vous allez aimer la famille, vous allez aimer cette recette. La famille, n'oubliez pas, cliquez la cloche de notification pour être informé chaque fois que je poste des nouvelles recettes. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé jusqu'ici. Au revoir, à la prochaine pour d'autres recettes. Ciao, ciao.